Congratulations for our third class of the day, the Prix Hermès Sellier. Voilà pour nos cavalières et cavaliers à venir nous rejoindre. Nous sommes à 2 minutes maintenant du coup d'envoi de la première grosse confrontation de ce week-end, ce qui va permettre de jauger un petit peu les couples engagés. Alors certains ont décidé d'engager leur monture de Grand Prix, certainement pour dimanche, dans la première épreuve de la journée, que vous aurez eu le plaisir de saluer en ce qui concerne la victoire de l'Italien Emanuele Gaudiano. Mais là, il y a du beau monde à venir nous rejoindre, dont certains d'entre eux sont là pour leur première fois ici, que d'arriver justement en plein cœur de cette nef. Et votre rôle maintenant, vous le connaissez fort bien, puisque ça fait de nombreuses années maintenant qu'on a le plaisir d'être ensemble pour partager ce grand et beau moment de sport. Un grand merci encore une fois à chacun d'entre vous de votre présence ici. N'oubliez pas qu'à l'issue de l'épreuve, un autre moment d'émotion, de spectacle, peut-être un petit peu décalé en tous les cas, vraiment dans l'esprit d'Hermès, nous attend donc à nous manquer sans aucun prétexte avant d'avoir le plaisir bien sûr de vous accueillir demain pour la deuxième session avec en deux actes, une première partie de journée puis la première nocturne du soir Hermès. Bref, il y a plein de choses à vivre. Sans plus attendre, mesdames, messieurs, nous sommes à quelques secondes maintenant du coup d'envoi de ce prix Hermès Sellier. C'est vous maintenant qui pouvez donner le tempo à cette fin d'après-midi. À vous de jouer en accueillant le premier. Voici donc le premier à venir donc nous rejoindre en ce qui concerne bien sûr la liste des 48 couples que nous aurons le plaisir d'accueillir dans le top 50 mondial. Henrik, qui a participé par deux fois aux Jeux Olympiques, ceux de Rio, il y a eu ceux de Londres, il était aussi de l'aventure des championnats du monde, pas moins de 6 participations championnats du monde. Eh bien, nous avons le plaisir d'accueillir avec Lucky Sylvana Z et vos encouragements bien sûr pour la Suède. Voici Henrik von Eckermann. Sweden is the first into the ring in this Prix Hermès Sellier. Of course, Yannick was reminding you not only at Table A against the clock, an important competition for their performances in terms of prize money and obviously rankings, but it will also qualify for tomorrow night's Soo Hermès, the best 10 lady best riders and the best 10 gentlemen riders for this competition, which will be obviously teaming up 10 ladies and 10 men. In the meantime, it's Sweden into the ring, world number 49, Henrik von Eckermann. Récent vainqueur de l'étape Coupe du Monde de Göteborg. Allez, voici le premier obstacle. Au cerf, jaune et blanche, verticale, numéro 2, avec les petites vaguelettes. Longue galopade, 8 foulées pour aller chercher le cerf. Et c'est par jaune, numéro 3. Boucle à gauche, verticale, 1, 2, 3, 4 foulées, verticale au cerf pour la combinaison, numéro 5. 6, cheval à bascule, 3 barres seulement, avec justement ce aspect très creux, vertical, plus exactement le mur de 24 faubourgs, une nouvelle fois un virage plus serré possible pour aller sur la deuxième combinaison, concert de foulée verticale, 6 foulées, l'auxerre numéro 9, une nouvelle fois un virage, quasi un demi-tour, vertical, numéro 10, 11, et par blanche, rose auxerre, aïe, virage, pour aller chercher le dernier obstacle aux couleurs d'Hermès Sellier et faute sur le dernier. Mais vos applaudissements, parce qu'encore une fois, quel bonheur que d'avoir ici sur cette piste l'un des meilleurs cavaliers au monde. Un total de 8 points, 60 secondes et 86 centièmes. Two down, a total of 8 on 60, 86. And of course, in the arena, we also have another configuration, which is the sun now with the shadows, which will be on the ring for the horses, creating different angles for them. Deuxième à venir nous rejoindre, et déjà nous avons le plaisir encore une fois de vous présenter les meilleurs cavaliers au monde. Vous voulez le meilleur, vous l'avez actuellement devant vous, venant de vous saluer. Son brassard vous signale qu'il est tout simplement le numéro 1 mondial en tête de la longue ranking list, Daniel Deuser pour l'Allemagne. Avec le cheval où il gagnait le Grand Prix de l'étape Coupe du Monde d'Equita Lyon, Equita van den Zogelaf. Allez, Daniel Deuser, et Lyon lui va plutôt bien puisqu'il gagnait aussi avec Cornet d'Amour la finale Coupe du Monde. Currently in the ring, world number one for Germany, Daniel Deuser with Equita van den Zogelaf. If you're watching Daniel on a regular basis, you follow him on the circuit. You saw him winning the World Cup leg in Lyon with the same Equita van den Zogelaf.
Ah oui, joli. Numéro 1 mondial qui vient d'entrée de jeu, réalise un magnifique chronomètre, 62 secondes et 19 centièmes. Je crois que ça mérite une nouvelle fois d'être salué. Daniel Deuser, Aikita Valenzuela-Kuff. Clear, and obviously the fastest time so far, 62.19 for the other riders to beat. Oui, mais vient nous rejoindre en troisième position, mesdames, messieurs. Il est toujours dans le top 10 mondial et ça fait des saisons maintenant que cela dure. Notre vice-champion du monde, que dis-je, le champion olympique en titre. Allez, voici le premier Français, voici Kevin Stott. Currently world number 8, obviously came back with the team gold from Rio along with his fellow countryman has chosen the daughter of Toulon, Alki van Het Inderhof, HTC, a Belgian warm blood. Il y a 62, 62, 19. Il y a 62, 19. Oh! Réponse immédiate de Kevin Stott. Regardez ce chronomètre, 59 secondes, 12 centièmes. Kevin Stott! And he's done it, shaved 2 seconds off the time, almost three of Daniel Deuser, Kevin Stott and Elke van Hedhoff into the lead now, 59-12 to beat. Lui gagné le Grand Prix il y a 2 ans et Corrida de Tréo cet après-midi avec Othello du Soleil. Mesdames, Messieurs, saluons la présence de Romain Duguay. Voici la Suisse. Qui affectionne particulièrement les chevaux français. Othello du Soleil, croisement d'alligator, papillon rouge. Romain Duguay pour la Suisse. 59, 12 à battre. Switzerland, who's next to go now with world number 39, winner of the Grand Prix here a couple of years ago. He's chosen for this competition, Othello du Soleil, Romain Duguay, Hermes partner rider. Faute sur le dernier banc. Très bien de faute pour Romain Duguay, Othello du Soleil. Le voici avec un total de 8 points. Pourtant, le chronomètre en était pas mal, hein, 59 secondes et 13 centièmes, qui le positionnait donc un petit centième de Kevin Stott, toujours leader. On va quitter la Suisse, Alison, pour partir pour l'Autriche, avec Max, qui vient nous rejoindre maintenant parmi les 40 meilleurs cavaliers au monde, après des belles deuxième places à Zurich, notamment, ou encore troisième. À l'occasion du Grand Prix Longines d'Hong Kong, mesdames, messieurs, voici pour l'Autriche Max Kuhner. Fifth to go in this Hermes Saleh class. You're now watching Max Kuhner, world number 36, with PSG Future, 13-year-old Holsteiner. Courir d'ailleurs avec Pio Schweitzer.
sur le dernier. Le vertical, Hermès Sellier, bon, et bien qui lui vaut ses 4 points de pénalité, Max Koller, 64 secondes, 17 centièmes. End of the round for obviously Austria's Max Koller, 4 penalties, 64-17, a third position for him for the moment. Suède, Allemagne, France, Suisse, Autriche, et on part maintenant pour le Canada. Cavalier, là aussi, Hermès Partner qui vient nous rejoindre. Ben Asselin, après une victoire l'année dernière lors du CSEO de Capescan au Mexique, qui était aussi deuxième de la Coupe des Nations à l'anglais. Il est avec Véron, je crois qu'il sera ravi d'entendre vos premiers applaudissements, ou en tous les cas pour sa première participation aussi au soir Hermès. Voici Ben Asselin, le Canadien. Already saw him in the top five in our first class of the day. Here he now is back in the ring with Véron. Véron, the horse with which he won the CSIO Grand Prix in Copexpan this year. Also a Hermès partner rider. Sans faute. Sans faute, Ben Asselin avec Béron pour sa première participation, auteur d'un parcours parfait, alors s'intégrant parmi les trois meilleures prestations du moment. Ça reste pour l'heure côté français la meilleure avec Kevin Stowe, Daniel Deuxer pour l'Allemagne. Et Ben Asselin donc, le tiercé pour l'heure provisoire de parcours sans faute. On va partir pour la Grande-Bretagne. Vainqueur des talents Hermès il y a 2 ans, et vos applaudissements une nouvelle fois pour lui souhaiter bonne chance en cet après-midi aux couleurs d'Hermès Sellier, Louis Sewall pour la Grande-Bretagne. Cordalis. One of the talents Hermès, that was in 2014. She was already second in the first class of the day. And here she is now with the Cordalis 7. Louis Sewall for Great Britain, still 59-12 to beat. Allez, parfait. Avec un parcours parfait, un chrono de 65 secondes et 13 centièmes, nous voici avec une troisième place pour Louis Sewall. Louis Sewall, a clear round there for her on 65-13 for Great Britain. France en tête avec Kevin Stout et le cavalier des raccoudettes, des coudrettes, Elke van den Ilenhof. France une nouvelle fois en piste pour avoir le plaisir d'accueillir l'un des cavaliers qui s'est offert une magnifique victoire à l'occasion de l'étape Coupe du Monde de Bordeaux. C'était avec, et vous l'avez vu tout à l'heure, Catherine Larocque. C'est Cristallo ALM, son cheval de vitesse. Je crois qu'il sera ravi une nouvelle fois aussi d'entendre vos applaudissements retentir ici au Grand Palais. Voici Julien Paillard, Cristallo ALM de la laiterie de Montaigu. Donc
Second of our French riders now, you're currently watching Julien Epaillard with Christelle A. LM for obviously the Littery de Montague, number 8 on the start list. Deux fautes cette fois-ci pour Julien Paillard, Chris Salva de la laiterie de Montaigu. Deux fautes, 8 points, 68 secondes, 14 centièmes. Eh bien, nous avons donc pour le Rayen, en ce qui concerne le changement du top 5, Mascouner avec 4 points de pénalité jusqu'à la pole position de Kevin Stott. On va passer maintenant en Italie, mesdames, messieurs, pour la Suède, pardon. Le plaisir d'accueillir, elle aussi, c'est une première participation que nous avons le plaisir de saluer cette année. Après une belle saison 2016, deuxième du Grand Prix de Mechelen, elle était classée aussi à Lier. Voici donc pour la première fois Petronella Andersson. Mesdames, messieurs, voici la Suède. After our opening word, Henrik von Eckermann, here now is Sweden once again, Petronella Andersson with Eva Rantaparadis. Second in the Grand Prix World Cup stage in Mechelen. There was also the second place in the Grand Prix in Lier. Celle qui était médaillée lors des championnats d'Europe en tant que jeune cavalier, bronze par équipe, argent individuel. Hommage sur le dernier. Le reste était parfait à suivre. Petronella Andersson à hauteur d'un parcours à 4 points lors de cette première confrontation d'un chronomètre de 64 secondes et 76 centièmes. Four penalties a time which was fastest, second fastest for Forter on 64.76. She's six positions still in the lead. Kevin Stott for France. Kevin, effectivement, toujours en tête. Après une dizaine de couples avoir pris part à la compétition, l'homme en forme de ses derniers jours, il a obtenu, après cette magnifique quatrième place à Göteborg, l'étape Coupe du Monde, bien le plaisir de participer pour sa première finale, et ça sera la semaine prochaine. Et lui aussi, c'est une première ici, au cœur de cette nef du Grand Palais. Je crois qu'il sera ravi de vous entendre le saluer. Bienvenue, Olivier Robert, voici l'Aquitaine. Avec en formation, une fille de Fort Pléjeur, une fille de Litra, mademoiselle Mélina Holzer. Voici Fleur de Lune. First time for him here at this Grand Palais, the Sceaux Hermès, and he's chosen a young horse, 9 years of age, Fleur de Lune, offspring of Fort Pléjeur, Francis Olivier Robert. Thank you.
à suivre là aussi. Hein. Un petit peu surprise comme ça, sortie de virage pour Olivier et cette fleur de lune, voilà, elle vient lui représenter ce vertical, le cheval à bascule, elle a commis cette petite dérobade, bon bah il a salué ses 4 points et puis une petite faute un petit peu plus loin sur le parcours, 8 au total, 72 secondes et 14 centièmes. 2 down, a total of 8 for the score and that's a total time of 72-14 for Francis Olivier Robert. L'une des cavalières aux couleurs d'Hermès aussi, partenaire de ces cavaliers équipés bien sûr d'Hermès Cellier, a choisi Corania Van den Klapuche pour venir nous rejoindre. Voici Pilar Lucrecia Gordon, mesdames, messieurs, voici l'Espagne. Elle aussi était à Rio, elle aussi a eu le plaisir à deux reprises courir les étapes mondiales à Caen, Lexington et pas moins de 3 fois sélectionnée pour les championnats d'Europe. Well, with which she's competed in many major competitions, including the European Champions. She's chosen Corianna Van den Klapuche, now 15 years of age, the offspring of Darko for the Hermes partner rider Pilar Lucrecia Gordon for Spain. Ce parcours, 59 secondes, 21 centièmes, là aussi avec des virages absolument parfaits, dommage cette faute en fin de parcours et des applaudissements, ils seront bien mérités pour saluer encore une fois la combativité de Pilar Lucrecia Gordon, l'Espagnol, crédité donc de 4 points de pénalité. Nous voici maintenant avec le Qatar, les Jeux Olympiques de Rio, deux fois aussi les championnats du monde récents début de saison. À Doha du Grand Prix, voici pour le Qatar et vos applaudissements pour l'accompagner, cher Ali Altani avec First Division. Radio victory in the 5-star Grand Prix in Doha. The radio back to watch Sheikh Ali bin Khalid Altani. And of course, there's been the World Equestrian Games, the World Cup Finals, and also the Continental Games, the Asian Games, where he came back with Team Gold 2 years ago. Faute et temps dépassé. Alors l'addition pour cher Ali Altani. First Division, 2 points de dépassement de temps, 2 fautes, un total de 10 points, un chronomètre de 80-94. 8 for jumping, 2 for time, and a total of 10, which changes nothing to the top 3 lineup. Kevin Stoke, Daniel Dosa, Louise Saywell for the moment.
Et on a toujours nos 59 secondes et 12 centièmes à battre. Belle délégation venue de la Mannschaft pour nos cavaliers allemands à venir nous rejoindre. Christian Allemann, actuellement numéro 3 mondial. Il sera ravi, le cavalier allemand, de vous entendre là aussi. Saluer sa présence. Le voici avec ce joli gris baptisé Colorite. Un étalon par Coriano, mère par Capitole, numéro 3 mondial. World number 3, currently there, came back also with the team bronze. That was last year at the Olympic Games. That was with Talibé. This afternoon with Colorit, Christian Allemann. C'est bien ça, waouh! 60 secondes, 31 centièmes, une deuxième place. Il est deuxième, le cavalier allemand. Je crois qu'une nouvelle fois, ça serait bien de vous entendre saluer tous ces cavaliers, hein, tous ces grands noms de la scène internationale qui, dès la première journée, nous offrent du très très beau sport. Mais attention, il y a toujours 59 secondes et 12 centièmes. La France, une nouvelle fois en piste, mesdames, messieurs. L'un des meilleurs cavaliers au monde, sixième rang mondial, Simon, le vice-champion du monde, va prendre part à la compétition. Est-ce qu'il peut compter sur le public du Grand Palais, mesdames, messieurs, pour aller chercher une belle performance? Allez, on y va, Simon de l'Estre. World number 6 and team silver medalist from the World Equestrian Games in Caen for this competition, he's chosen Hermès Ryan, Simon de l'Estre. Bel hommage à cette maison que d'avoir baptisé Sir Ryan Hermès. Ryan. Hermès Ryan, Hugo Gessmeret, Rayon d'Anzex, Don Simon et Philippe Berthold sont les copropriétaires. Ce parcours. Elle a encore une fois Paris sur cette fin de parcours. Quel dommage. 4 points pour Simon. Une belle tentative. 60 secondes et 62 centièmes pour boucler ce tracé. Hermès Cellier. 4 penalties there for the Hermès partner rider, which puts him in 7th position on 60-62. Kevin Stoltz still in the lead on 59-12. Pour l'instant, Alison, eh bien, on est avec un quintet de parcours sans faute, donc les 5 meilleurs. Ben Asselin est actuellement le 5e, Kevin Stone toujours en tête, et Zoé venue nous rejoindre dans l'entrefait, l'une des jeunes cavalières qui aurait pu miser aussi sur les talents Hermès, mais la voici maintenant parmi l'élite des cavaliers. Je crois qu'elle sera ravie de vous entendre la saluer. Voici Zoé Conteur avec Erenice Horta. La cavalière Stefek Stable, qui a un cheval de 9 ans par Vigo d'Arsouille, qui est encore jeune, hein, cette jument, Irénis. Vigo d'Arsouille, deux champions du monde, côté origine paternelle et maternelle, puisque son grand-père maternel est aussi Diamant de Somi.
already has two medals to her name in the European. She's been three times, came back last year with the team gold and the individual bronze for Belgium now, Zoë Konta. La tentative, hélas, n'est pas couronnée de succès avec deux fautes, un total. Avec un total de 8 points, 70 secondes, 97 centièmes pour Zoë Konta. Deux fautes, 8 points. Two down, a total of 8, that was Zoë Konta for Belgium with Irinis Autain. Donc pour l'instant, on est toujours avec notre barre pour espérer être le meilleur récompensé tout à l'heure à hauteur de 59 secondes et 12 centièmes. Nous allons partir maintenant avec la Suisse. Quel bonheur aussi d'avoir ce cavalier parmi les 50 meilleurs cavaliers au monde. Deux Olympiades, deux fois les championnats du monde, un, deux, trois, quatre fois les championnats d'Europe et multiples fois aussi sélectionné pour courir à les finales Coupe du Monde. Mesdames, Messieurs, voici la Suisse qui sera ravie une nouvelle fois d'entendre son champion, Pio Schwitzer. Salut, ici au Grand Palais. Pio Schwitzer et Léonard de la ferme CH. Well, number 53, you're currently watching Switzerland's Pio Schwitzer and Léonard de la ferme. So 59-12 to beat. Ça va vite et ça va même très vite. Oh, ça va vite. Et c'est même plus vite, mesdames, messieurs. Applaudissements pour la Suisse en tête, Pio Schwitzer. Not just faster, but over one, almost over 1 second faster. For Switzerland now into the lead with Pius Kevin second, Christian Ullmann is third. Eh bien, il va falloir galoper plus vite que 58 secondes et 80 centièmes. Révélation de ces derniers temps, Margot qui enchaîne aussi de beaux classements aux différentes étapes auxquelles elle participe. Déjà d'ailleurs sélectionnée par deux fois pour courir dans les championnats d'Europe où elle a été médaillée d'or en tant que jeune cavalière. La voici avec son as de Papigny. Je crois qu'elle sera ravie d'entendre vos applaudissements retentir pour la première fois pour elle ici à Paris. Voici Margot Bost. Margot Bost, who you're about to watch, starting the competition with As de Papigny maintenant, amongst the best in the Grand Prix recently in Saint-Lô. Copropriété des écuries Bost et Madame Delphine Giraud, cet As de Papigny. Un petit coucou d'ailleurs aux propriétaires, les éleveurs aussi qui sont venus, et comme chaque année d'ailleurs, partager avec nous ce grand rendez-vous qui est le soir, mais c'est excellent week-end à vous tous.
est faute. Elle tombe même à retardement, Sardarnua, avec Aze Papini. Ce qui nous fait 3 fautes, un total de 12 points pour un chronomètre de 68 secondes et 44 centièmes. 3 down, a total of 12, 68-44, this time on the scoreboard for Margot Bost for France. 8 finales Coupe du Monde, pas moins de 9 fois participant au championnat d'Europe, 4 fois les championnats du monde, 5 Olympiades pour ce cavalier qui vient nous rejoindre et même ce couple de légendes maintenant, Casal qui fait effectuer sa dernière saison de concours. Elle va venir pour la dernière fois aussi concourir avec ce prestigieux cavalier. Oui, même un petit peu plus d'applaudissements. Vous avez là aussi un couple vraiment d'expérience. Bienvenue à tous les deux, le Suédois Holgard Mexon, Casal Asta. Well, number 14, it was the same Kazan Ask, many victories today, amongst others the team bronze at the Europeans in Herning in 2013. Kazan Ask, who's in his last season of competition, Rolf announced last year, he'll be retiring in May. Sans faute, une nouvelle fois pour ce Casal Ask. Comme vous l'a rappelé Alison, en mois de mai, ça sera eh bien, la fin vraiment de saison de concours de ce fabuleux cheval que vous avez actuellement devant vous. Je crois qu'encore une fois, vous pouvez saluer la présence de ce grand champion qui est Casal avec son cavalier Holgard Mexon. Parcours sans faute, une 5e place pour le Suédois. We start there, we'd have our top 5, all are clear, the fastest of which still the Pushwitzer. Number 5 is Rolf Gorin, you've just been watching, on 62-69. Et 58-80, toujours à battre. Elle était 7e en fin de saison dernière, Mechelen, avec Trevny Church, avec Courtage. Elle était aussi classée dans l'étape Coupe du Monde. Qu'elle soit la bienvenue pour la première fois ici, à l'occasion du Suomen. Je crois que la Finlande sera ravie d'entendre l'une de ses cavalières saluer. Voici Julia Gilas. Et donc, Courtage TZ, jument de 9 ans par Calvino Z, la mère Paris-Spring. Right, from Finland, you are currently watching Julia Gilas amongst the best in the Christmas Grand Prix that was in Mechelen. There was also the World Cup leg in Verona. Le mur du 24 Faubourg pour sa première venue ici au Suomen, qui lui vaut donc 4 points de pénalité, un chronomètre de 68-98 pour la Finlandaise Julia Gilas. End of the round there for the rider from Finland who finishes with a score of 4 penalties, 68-98. Et nous voici partis pour la Colombie maintenant à la recherche d'un chronomètre en dessous de 58-80. Belle saison aussi l'année dernière, il gagne à la Corogne le 5 étoiles, récent aussi, deuxième meilleur cavalier lors de l'étape de Zurich. Il a choisi
que prendra pour venir nous rejoindre maintenant le cavalier du Haras des Grillons et surtout la Colombie. Il sera ravi d'entendre l'un des siens saluer. Voici le Colombien Carlos Enrique Rotez Lizarro. Second in the five-star Grand Prix this year in Zurich. There was also last year La Corogne and Ishii competing now with Cuplandra, Carlos Enrique Lopez Lizarazo. C'était aussi le vainqueur l'année passée du Grand Prix international de Vichy. On est parti avec la Colombie maintenant, 58-80 à battre pour une pole position. Entrée parmi les 5, aller plus vite que Casal tout à l'heure. Holger Hanbeckson, 62-69. Fin de parcours, regardez le chronomètre du cavalier colombien, wow, 56-53. C'était plus vite et malgré ses deux fautes, je crois que ça mériterait une nouvelle fois d'entendre le public du Grand Palais saluer encore une fois. Quel cavalier! Il va falloir compter sur lui pour les grosses échéances. Et dans l'entrefait, regardez qui vient nous rejoindre, une des légendes de ce sport. Oui, il est bien là, John, il est de retour cette année. 21 médailles, le cavalier que vous avez devant vous lors des Olympiades, des championnats du monde ou autre finale Coupe du Monde auquel il a participé cet après-midi. Il est avec Ornella. Je crois que vous pouvez même redoubler d'applaudissements pour saluer John Whittaker. That's right, Yannick Romagny of his career. World 25, 21 medals to his name, 4 gold, 10 silver and 7 bronze, without mentioning all of the different Europeans, Olympic Games, World Championships, World Cup Finals. Quel cavalier, quel bonheur de l'avoir. John Whittaker à la 4e place. Continuez vos applaudissements, ils sont bien mérités pour saluer la légende des sports équestres. John Whittaker, 4e. Fabulous performance you've just been watching, obviously. John who finishes clear on 60.99. Lui aussi, pour la première fois, vient nous rejoindre ici au Grand Palais. À l'issue, bien sûr, de belles saisons et tout ça, on pourrait presque le mettre au pluriel avec des classements, différents Grands Prix auxquels il a eu le plaisir de participer. Radia des Sables, notamment, avec lequel il va tenter de relever ce sacré défi. Vous allez certainement pouvoir l'aider, j'en suis sûr, en tous les cas, par le biais de l'enthousiasme que vous allez mettre dans vos applaudissements. Voici pour la France, Nicolas De Zeus. Qui a fait aussi une très très belle tournée. D'ailleurs, si vous ne savez pas quoi faire, au mois d'octobre prochain, vous avez 3 belles dates à noter sur vos agendas. À Tétouan, à Rabat, à El Jadida, c'est le Morocco Royal Tour. Il en faisait partie, Nicolas. Radia des Sables, Zandor.
fabulous season for him last season. Already this season, some Grand Prix victories under his belt in Portugal in Villa Moura, with 6 in the Grand Prix, and also a 7th with the same Razzia de Sable. Tombe aussi sur la dernière. Bon, et bien du coup, ça nous fait un total de 20 points pour 67 secondes, 68, pardon, 79. Nicolas Dezeuse et Razzia de Sable a quitté la France quelques instants pour avoir le plaisir aussi d'accueillir la Belgique à l'occasion de cette confrontation. Grosse confrontation des meilleurs cavaliers au monde. La barre pour l'instant est toujours à 58-80 pour être peut-être sacré numéro 1 à l'issue bien sûr du passage des 48. Parmi ces belles victoires indéniablement, c'est celle aussi obtenue en France à l'occasion du CSIO de France, justement à la Baule. Il est avec Papillon Z dans cette fin d'après-midi. Je crois que vous pouvez saluer la présence aussi dans ce bal des stars de la discipline. Jérôme Guéry est au départ avec donc Papillon Z. World Tour number 27, thanks to victories all season long, of course, including the CSIO and Laval. That was with Grand Cru this afternoon with Papillon Z, Belgium's Jérôme Guéry. Grand Cru, qui est maintenant. Et donc notre 24e couple. Nous sommes donc à mi-épreuve dans ce défi Hermès Sellier que d'aller plus vite que 58-80. Ça va vite. Oh, super! Dix-huit petits centièmes de différence derrière Pio Schwitzer. Une très belle deuxième place. Continuez vos applaudissements pour 18 petits centièmes, mesdames, messieurs. Et les donc deuxième. Et Jérôme Guéry, Pio Schwitzer 1, Jérôme Guéry 2, Kevin Stout à la troisième place, Christian Allemand 4e, John Whittaker est le 5e classé. Maintenant, on va partir avec l'Italie. Attention, il a nous prouvé hein, qu'il pouvait être extrêmement rapide sur les débris de vitesse. Vous l'avez vu tout à l'heure, la première épreuve, c'est lui qui l'a gagné. Il est avec Gaspard, le cheval avec lequel il a couru les Jeux Olympiques. Et Manuel Godiano est au départ, mesdames, messieurs, l'Italie. Rider who's renowned for going incredibly fast. Can he do better than 58.80? That's the question right now. And dethrone Pio Schwitzer, Emanuele Guardiano with Casper. Première désobéissance tolérée, hélas la deuxième. Ce juge arbitre de cette confrontation, Patrick Bartolo, n'a pas d'autre possibilité que de signaler que l'aventure s'arrête. Même un petit peu plus de chaleur dans vos applaudissements. Il vous a offert une belle victoire en ouverture du saut Hermès. Hélas, hélas, hélas.
Quel cavalier, une nouvelle fois, vient nous rejoindre. Il a, pour totaliser tout simplement le nombre de classements et victoires, 23 médailles au compteur, 12 en or, 20 fois finaliste de la Coupe du Monde, mesdames, messieurs. Vainqueur du Swermes il y a 3 ans. Oui, oui, vos applaudissements pour saluer ce palmarès de Ludger Birbaum. After the legendary John Whittaker, here now is the legendary Ludger Birbaum, world number 10, and Jannik Romani of some of his victories, 23 medals, 12 of which are gold. And of course, if you were here 2013, he was the winner of the competition. That was with Schemmer. Ah, il faut aussi sur le dernier obstacle. Bon, bah, les meilleurs en difficulté sur ce tracé. Ce qui nous fait de faute un total de 8 points pour 64 secondes et 70 centièmes pour Ludger Birbaum. End of the round for Ludger, one down a total of 4 and Chiara for Germany. On vous disait les 10 meilleurs cavaliers, les 10 meilleures cavalières pour courir et tenter de gagner le Swermes. Et elle l'a gagné ce Swermes à l'occasion de la première édition. Oui, oui, mesdames, messieurs, elle est bien là une nouvelle fois à l'occasion de cette nouvelle édition. La vice-championne du monde, la championne olympique, la meilleure cavalière au monde, Pénélope Prévost. Ratina de la Rousserie, toute bonne jument de Geneviève Maigret, Caprice, Apache d'Adrier. 27e départ. The world's best lady rider who's currently in the, and sitting in the 12th position in the world rankings has chosen Ratina Larousset, number 27 on the start list. Ce parcours. Un parcours parfait, mission accomplie pour Pénélope, pour Ratina de la Rousserie, 8e au classement donc pour Pénélope. Et évidemment, bon vent, hein, c'est de bon augure pour les épreuves à venir. Et on va rester en compagnie de ces dames. Elle a le vent en poupe aussi ces dernières semaines. Celle qui va prendre part à la compétition parce qu'elle était 4e à Doha. Elle était dans le top 13 et meilleure lors de l'épreuve de Zurich. La voici ici au Grand Palais. Quel plaisir que d'avoir à saluer, et vous tous, par vos applaudissements, la présence de Jannika Sprunger, la Suisse. Jannika Sprunger would also like to be qualified for tomorrow night's So Hermes, fourth in Doha already this year, and came back from the Europeans 2 years ago with the team bronze. C'est vrai, comme vous le rappelle Alison, elle est toujours médaillée de bronze. En tous les cas, c'est celle qui est médaillée de bronze lors des derniers championnats d'Europe par équipe. Allez, on est parti donc avec Harris, CMS, cheval hollandais,
A sixth position for Yannick Springer, a clear on 61-27 and RSCS. Ça va pas mal hein, pour les prestations des cavalières. Voici auteur d'un beau parcours, une 16e place au provisoire, 6e pour l'instant. Donc on a point de changement en ce qui concerne le quintet venant nous rejoindre pour la remise des prix. John Whittaker 5e, Pio Schwitzer est toujours le leader, auteur de 58-80. On part pour la Suède maintenant et on reste en compagnie de ces cavalières de nos Amazones. Vos applaudissements pourraient bien retentir une nouvelle fois pour saluer l'une d'entre elles, Malin Bayer-Johnson, au départ. L'une des habituées aussi au Saut Hermès. Et cette année, en selle sur H&M Kyuchana, sur le 29e départ. Et pour Malin Bayer-Johnson, déjà 4 participations aux Jeux Olympiques. Sweden's Malin Bayer-Johnson, who won the Saut Hermès here back in 2012. That was the year she was partnered up with Lutger Bierbaum. Cette fois-ci avec une faute en fin de parcours sur l'avant-dernier obstacle. Et bien 4 points pour Malin Bayer-Johnson, H&M Kyuchana. Et pour l'instant donc toujours point de changement. On va partir pour le Brésil et retrouver donc ses cavaliers, partenaires Hermès. C'est le plaisir de saluer celui et même d'ailleurs le couple qui gagnait l'année passée le Grand Prix de Genève. Bienvenue au Brésil, mesdames, messieurs. Saluons la présence de Pedro Viniz, Gabriel de Lille. Another Hermès partner rider in the ring now, world number 79, and amongst others, victory in the five-star Grand Prix in Geneva last year. Ce cheval de cœur, ce Cabri de Lille, tiens, je vous invite aussi à aller découvrir les deux beaux teasers Hermès qui vous retrace aussi cette belle histoire au sein des écuries de Pedro Viniz et surtout celle qu'il a tissée avec ce bel étalon, descendant de Canaan et Socrate de Chivré, de Carmen d'Arvela, des qui en sont donc les copropriétaires. Avec une faute en début de parcours, 4 points, ça se termine par un tour de travail pour Gabriel Lille que vous venez de voir avec le Brésilien Pedro Viniz. 30e départ, Bosti vient nous rejoindre, mesdames, messieurs. Et vous savez que Bosti, sur les épreuves où il faut jouer les coudes et faire parler justement la vitesse, mais avec si peu d'applaudissements, ça me paraît difficile lorsqu'en plus, vous savez que Bosti est tout simplement l'un des meilleurs au monde maintenant. Vous savez qu'il a été champion olympique et qu'il l'est toujours, évidemment. Quel bonheur que de vous entendre applaudir une nouvelle fois Bosti. Allez, Pégase Mûrier.
2 était 7e à Hong Kong. Et maintenant, objectif 58-80 à battre. 58-80 still to beat with the Switzerland in the near. Can Olympic champion Bosti do better with their Pegasus Dumurier? C'est Adelphos, c'est l'auto de Sémilly, côté origine, une propriété, une société qui loue, et URL Bosti Jump. Il fallait le faire, mesdames, messieurs, il fallait le faire, il vient de le faire, 57-19! C'est du Bosti. Parfait, 57-19 à battre. Ouais, mais il y a du beau monde encore à venir nous rejoindre. Rien n'est fait. Et on continue bien sûr à saluer la présence de celles et ceux venus courir, à l'image bien sûr de Gudrun qui fait partie maintenant des habitués après un bon début de saison très fin, Rosendahl Drachten, où elle a été classée dans les Grands Prix. Je crois que le Sceau Hermès peut une nouvelle fois saluer sa présence. Voici la Belgique, voici Gudrun Patet. La cavalière aux couleurs de Sikos Atlantique, cheval de 11 ans. 57-19, the time just established by Bosti. He's well capable of going faster than anyone else. Gudrun Patet, can she do better? Gudrun, who's chosen Seacoast Atlantic victories for her in Treffen. There's also been Rosendahl and Drachten this season. Là aussi un paquet de malheureux cet avant-dernier obstacle, et bien 4 points pour Gudrun Patet, 60 secondes 73 centièmes. On va rester en compagnie de ces dames, l'une des régulières là aussi lors des grandes échéances auxquelles elle a eu le plaisir de participer, l'une des fidèles aussi au Sceau Hermès, ravie certainement une nouvelle fois de vous entendre saluer sa présence. Voici l'Australienne Edwina Dobbs Alexander et la jument californienne. Aussi retenu pour courir la finale Coupe du Monde. California, qui a 10 ans par libéraux. 9 World Cup finals to her name, 4 World Equestrian Games for this competition. She's chosen California, world number 17, Edwina Tops Alexander. Avec laquelle d'ailleurs elle était 5e du Grand Prix de Doha en début de saison. Elle a couru aussi Zurich avec California. On y va, c'est parti pour l'Australie.
Avec une faute, un parcours à 4 points, 73 secondes et 45 centièmes pour Edwina Tops Alexander. Et nous allons quitter l'Australie maintenant, direction les Pays-Bas, qui vient dans sa délégation de cavaliers, venu courir ici le Sceaux Hermès. Nous envoie tout simplement l'un des meilleurs champions du monde en titre, vice-champion olympique, champion d'Europe en titre. Mesdames, messieurs, ravi d'avoir à vous présenter Monsieur Michael van der Vleuten, les Pays-Bas. Il sera donc le 34e à s'élancer, Michael van der Vleuten, un cheval hanovrien de 11 ans. Voici Salomon. Team Silver medalist at the Olympic Games in London. He was also Team Gold at the World Equestrian Games in Caen and Team Gold at the Europeans in Aachen with Verdi this afternoon with Salomon, Michael van der Vleuten. Tout s'est déréglé, patatras, bon, du coup pour Michael van der Vleuten et Salomon, ça nous donne 15 points, tout confondu, 86 secondes et 91 centièmes pour le cavalier néerlandais. End of the round for the rider from the Netherlands, obviously jumping and time penalties and a total of 15. On a chance d'avoir donc l'équipe médaillée d'or des Jeux Olympiques ici à l'occasion du Grand Palais. Il nous manquait d'avoir le plaisir aussi de saluer cette présence de Monsieur Philippe Rosier. Il est là, lui aussi, le héros de Rio. Vous l'avez salué tout à l'heure, vous avez le plaisir de voir lors de la première épreuve, Rautop de Toscane. Eh bien, vous allez pouvoir aussi vous régaler avec sa recrue qui est autre que Rêveur de Kergan. Ornette Rose, élan de la cour de Claire Banet. Voici Philippe Rosier, on est parti pour peut-être moins de 57-19. So 57-19 to beat. Bosti in the lead. Can fellow teammate Philippe Rosier do better for this competition? He's driven Rêveur de Kergan, a 12-year-old by Ornette Rose. Attention, il faut compter sur Philippe. Regardez ce qu'il vient de réaliser. Le voici parmi les 5 meilleurs et les 4e. Le champion olympique, Philippe Rosier, 4e.
Alors, Philippe Rosier entre dans le classement. Kevin Staut est donc le 5e. Jérôme Guéry, 3e. Pio Schwitzer, 2e. Bosti, toujours en tête. 57 secondes et 19 centièmes. On va partir maintenant avec le Qatar. Celui qui a fait un très beau début de saison avec sa 2e place à Sharjah. Il était aussi à Abu Dhabi, l'un des 6 meilleurs de l'étape Coupe du Monde. Voici pour le Qatar. Et vos applaudissements, bien sûr, pour lui souhaiter bonne chance. Bassem Mohamed avec Kander. Still 57-90 to beat Qatar, back in the ring now, this time with Kunda Bassem Mohamed, amongst the best in Sharjah, as well as the 6th in the Grand Prix in Abu Dhabi. Presque. Bon, sur un parcours sans faute, c'est fait pour Bassem Mohamed. Juste un point de dépassement de temps, 78 secondes et 12 centièmes. There's a slight bit of time penalty there for the rider from Qatar. One in total on 78-12, a 14th position for him. La famille des Whittaker est venue au grand complet pour notre plus grand plaisir. Vous avez eu le plaisir de saluer John. Eh bien, c'est Michael qui vient nous rejoindre là aussi avec un palmarès en or. 22 finales Coupe du Monde, plus les championnats d'Europe, plus 5 fois les championnats du monde et pas moins de 5 fois aussi les Jeux Olympiques. Même un petit peu plus d'applaudissements, s'il vous plaît, pour lui souhaiter bonne chance. Bon vent, Michael Whittaker. Gibbs, what the fuck, on va avoir le plaisir de voir. Maintenant, 11 ans, cette jument par Locarno et descendante de Cavalier Royal. After seeing John here now is Michael Whittaker, obviously the younger Whittaker brother, 20 world titles to his name. Ils étaient tous les deux quatrième du Grand Prix d'Offenburg en début de saison. Et les enchaînements, le parcours sans faute. Allez, un de plus. Celui-ci est signé Monsieur Michael Whittaker. 71 secondes et 15 centièmes pour Michael. A clear round for Michael Whittaker, 71-15. And that puts him in 14th position for Great Britain. Il est dans le top 10 mondial, le cavalier qui vient nous rejoindre. Il est même le 7e meilleur cavalier au monde à venir nous rejoindre. Et surtout le seul à avoir gagné 2 années le Grand Prix Hermès. On l'a vu donc avec Sabrina. On l'a vu avec Corrado, vous allez le voir donc concourir cet après-midi avec Cordinox. Je crois que vous pouvez même saluer un petit peu plus chaleureusement sa présence, l'un des meilleurs au monde. Allez, Marco Sening.
The only rider who's won this Sir Hermès Grand Prix twice. Here he is now with Cadenas Marcus Henning, currently world number 75. Photo en début de parcours, en tous les cas c'est un vrai régal hein. Équitant que nous sommes d'avoir ce grand champion qui est Marcus Henning qui n'a pas dit son dernier mot. Bon, cet après-midi dans ce prix Hermès Célie avec 4 points, chronomètre de 73 secondes et 52 centièmes. On va quitter l'Allemagne pour avoir le plaisir d'accueillir en 39e position John Heidberg, venu nous rejoindre. Elle a couru donc finale Coupe du Monde, notamment des jeunes chevaux, 6e en début de saison Olivia. Elle était classée aussi à Treffen et a fait l'acquisition de Salto des Noves, qui avait donc la fixe du Haras des Coudrettes. Mesdames, Messieurs, saluons pour la première fois ici au cœur de la nef du Grand Palais la présence de la Suédoise Jonaga Ekberg. John Heidberg est donc 39e. Salto des Noves, c'est Dollar de la Pierre, champion du monde, et une mère par le Sartillet. Sweden, who's next to go? You're currently watching John Ekberg, a rider who is now based in Belgium since 2013. 2015, it was her first five-star competition in the ring now with Salto des Noves. Bon, elle vient pour une première, pas à la hauteur du talent de la cavalière, John Heidberg qui nous quitte avec 20 points au total, 88 secondes, 29 centièmes, dépassement de temps inclu. Retrouvons les couleurs françaises, mesdames, messieurs, avec un sacré défi hein, que d'aller chercher Bosley. 57 secondes et 19 centièmes, oui, on vous sent frémir évidemment pour l'aider parce que vous savez que Patrice peut être aussi certainement auteur d'une très très belle performance. Il va falloir faire un petit peu plus de bruit maintenant pour le vice-champion du monde. Allez Patrice, voici Patrice Delamour. Et les couleurs du Haras des Coudrettes, représentées par cet étalon Karine Rowe, descendant de Cascavel, la mère par Landgraf. 40e des 48 participants.
57-19. 57-19. 57-19. Regardez ce qu'il vient de réaliser, Patrice Lahoud-Bluby. Regardez, il y a Bosti qui est dans le couloir. Il vient de voir la performance de Patrice. Allez, vos applaudissements. Il est plus vite. 56-54. Patrice Delavaux. Indeed, he is into the lead now, Patrice Delavaux. 56-54 to beat Bosti now second on 57-19. And the top five, Philippe Rosier. Et c'est pas fini, Alison, parce qu'il y a encore du bon monde à venir nous rejoindre. 56-54 pour être cinquième, aller plus vite que Philippe Rosier, qui lui est en 59-04. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Ce serait bien maintenant qu'ils retentissent pour Olivier Philippe Hartz. Allez, on est parti avec la Belgique. Auteur là aussi de au classement, quatrième du Grand Prix de Bâle. Même cheval, HM Legend of Love. Magnifique, ce qui vient de réaliser. Oh, superbe. Regardez, un chronomètre de 59 secondes et 27 centièmes parmi les 10 meilleurs. Et c'est même une très belle 7e place réalisée par Olivier Philippe Hartz, H&M Legend of Love. 41e participant, nous accueillons le 42e à venir nous rejoindre. 4 Jeux Olympiques, le champion olympique de Londres est venu aussi une nouvelle fois nous rejoindre après un bon début de saison. 7e du Grand Prix de Bordeaux avec ce même Ulysse d'ailleurs que vous avez devant vous, Ulysse des Forêts. Mesdames, Messieurs, je crois que vous pouvez saluer la présence d'un des meilleurs cavaliers au monde. Voici Steve Garda pour la Suisse. Actuel 11e meilleur cavalier de la Longines Ranking List. Currently world well number 11, obviously the individual gold that was in London, and 7th in Bordeaux with this same Ulysse des Forêts, Switzerland's Steve Garda, 56-54 to beat. Jeune encore, cet Ulysse, préparant pour certainement l'échange dominicale. Alors, faute en fin de parcours, un total de 4 points, un chronomètre de 62 secondes, 20 centièmes pour Steve Garda. 4 penalties there for Steve Garda and a time of 65-20, a top 5, still Patrice in the lead and still Philippe Rosier in 5th position. Alors,
Alors effectivement, Patrice Delavaux, Bosti, Pio Schwitzer côté suisse, Jérôme Guéry pour la Belgique, 5e, Philippe Rosier, alors que nous voici avec le cavalier qui a certainement celui qui, ces dernières semaines, a pris le plus de points au classement mondial. Fait de lui le 13e meilleur cavalier au monde, encore 5e à Hong Kong, il y a eu Zurich, il y a eu Bordeaux et Göteborg, auquel on a eu le plaisir aussi de voir ce fabuleux cavalier que vous serez salué par vos applaudissements. Bienvenue donc à l'italien Lorenzo De Luca. Limestone Grey. Avec ce cheval qui était d'ailleurs 10e à Zurich. Allez, on est parti pour l'italien. 43e départ. A wonderful season for him last year, and that's continuing this year. 5th in Hong Kong, also 10th in Zurich, and 12th in Bordeaux. Là aussi, pourtant, il n'a pas démérité hein, sur ce tracé. Un Messellier. Bon, bah, du coup, ça nous fait un total de 4 points pour 60 secondes, 70 centièmes. L'Italien va nous quitter. Cède sa place une nouvelle fois la France. Avant-dernière possibilité des Françaises que d'être plus rapide d'ailleurs que Patrice Delavaux. 56-54, celui qui était deuxième avec Yaman du Grand Prix de Rouen l'hiver dernier. J'aimerais bien vous entendre saluer sa présence ici en 44e au départ. Voici Australia, voici Timothée Anciaume pour la France. Et puis aussi sa 6e place à Lausanne. Et puis il y avait aussi le Grand Prix du Touquet, puis celui de Dinard. Timothy Anciaume has chosen Australia for this competition. Second in Rouen, was also the 6th position last year in Lausanne. 56-54 to beat. Nice, c'est postérieur. Pas avec 59 secondes, 94 centièmes et 4 points. Oui, continuez vos applaudissements. Évidemment, il doit être déçu aussi, hein, Tim. Qui a fait un très très beau parcours. Mais pas dit son dernier mot. On a le plaisir de le retrouver. Le cavalier du RADM à l'occasion des grosses échéances. Et lui, de multiples fois maintenant, on a eu le plaisir de saluer ses victoires. Il y a eu Dinard, il y a eu cette saison sa 2e place du Grand Prix de Bordeaux. Il y a eu aussi dans le top 8 des meilleurs cavaliers Amsterdam. Et vainqueur à Stockholm l'année dernière. Le voici actuellement 20e meilleur cavalier au monde pour une vingtaine d'années. Et une nouvelle fois, je crois que le public ici du Grand Palais sera salué la présence même un petit peu plus chaleureux de ce prodige irlandais. Allez, voici Bertram Allen. World number 20 in 2015, 2 years ago, they came third at the World Cup final in Las Vegas, Molly Malone and Bertram Allen for Ireland. Thank you.
justement. C'est que Franck, il voulait pas qu'il y ait de vide derrière le cheval en fait. Et j'ai pris cette habitude là et. Avec une faute. Avec une faute cet après-midi pour Molly Malone. 5, descendant de Canaan pour Bertrand Malen. Donc 4 points, 72 secondes et 29 centièmes. Et regardez qui vient nous rejoindre, mesdames, messieurs, à 3 cavaliers de la fin. Vous l'avez ovationné l'année dernière après cette victoire ici même. Et il est bien là une nouvelle fois cette année. Voici le Maroc. Voici Kébir. Le cavalier de l'année. Le cavalier de l'année, Abdelkébir Ogdar. Alors, c'était avec Quickly l'année passée, mais il y a aussi Cordano Site Z que vous allez voir maintenant. On est parti pour 56-54 à battre. Ladies and gentlemen, sit back and fasten your seatbelts. Never want to beat about the bush. 56-54 to beat. Et voilà, sur le dernier, bon, faute, un petit peu de temps dépassé pour Cordano CZ, une propriété de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. Donc un total de 9 points, 77 secondes et 50 centièmes pour Abdelkébir Ogdar, qui fut donc le 46e. On est toujours avec Patrice Delavaux, Karine Roux AGC, 56-54 à battre. Ils ne sont plus que deux à venir nous rejoindre parmi ces Amazones et ces cavalières qui auront peut-être le privilège d'être retenus parmi les 10 à courir le saut Hermès. Eh bien, c'est peut-être grâce aussi à l'énergie que vous allez mettre dans vos applaudissements, vous allez l'aider dans cette tâche. L'avant-dernier départ, mesdames, messieurs, Atina Onassis, que vous avez devant vous, la cavalière grecque, avec Contanga. Championnat du monde. Elle est bien classée d'ailleurs avec Sinzé, hein, où elle était classée 3e, Al-Riyan. Allez, c'est parti, 47e départ. Third in the Grand Prix last year in Arayan, also 12th in Doha, that was with Kinsey, now with Contango 3 for Greece, Atina Onassis.
Le souffle coupé. Hein. Ouf. Voilà, je crois que vos applaudissements dans ces moments-là, mais vraiment, 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 ils seront les bienvenus. Merci beaucoup pour Atina Nassis. Qui, j'espère, très très vite aura le plaisir de venir nous rejoindre. Oui, continuez vos applaudissements pour Atina Onassis. On est sincèrement désolé. Allez, vite, vite. On a le plaisir de la retrouver à cheval. Mais pour l'heure, eh bien, nous voici avec un top 5. Patrice Delavaux est pour l'instant le leader devant Bosti, devant Pio Schwizer, Jérôme Guéry, Philippe Rosier. C'est joué. Non, non, parce que vous avez devant vous le dernier cavalier à venir nous rejoindre. Il était cinquième du Grand Prix de Lyon. Il a gagné les Jeux méditerranéens et c'est le dernier à pouvoir prétendre aller plus vite que 56-54 pour sa première participation ici à l'occasion justement de ce saut Hermès. Je crois que Julien aurait bien besoin d'un petit peu plus d'énergie autour de cette piste. Allez, voici Julien Gonin, Soleil de Cornu, Serge. Last but certainly not the least, representing France now, Julien Gonin, 10th in the Grand Prix in Bordeaux last month. Can he do better than 56-54? Qui nous rappelle effectivement qu'il était aussi le 10e meilleur cavalier de l'étape Coupe du Monde de Bordeaux avec ce Soleil de Cornu. Eh bien non, ce ne sera pas cet après-midi pour Julien Gonin avec Soleil de Cornu. Faute il y aura eu et par trois fois. Un total de 12 points, chronomètre de 66-56. Puisque vous êtes en train d'applaudir, je crois que vous pouvez une nouvelle fois redoubler pour saluer la victoire de Patrice Delavaux. Vainqueur, alias Hermès Tellier. Patrice Delavaux, Postier, Roger Boss, deuxième, Pio Schwizer, le Suisse à la troisième place, Jérôme Guéry pour la Belgique, Philippe Rosier côté français sera le cinquième. Entendre vos applaudissements retentir à l'occasion de la remise des prix, ne bougez pas, ça va aller très vite. Comme vient de vous le dire Yannick, la journée n'est pas terminée. Je suis sûr que vous aurez à cœur de rester en tribune pour saluer d'abord les meilleurs dans ce prix aux couleurs de Hermès Tellier, puis assister à ce spectacle mis en scène par Florian Azoulay et Mario Luracci. Vous savez, pas une cascade au cinéma que vous n'ayez vu avec des chevaux qui n'aient été signés depuis des années par Mario et ses partenaires. Le songe de Don Quichotte. Ce sera après la remise des prix. Very soon, the prize-giving ceremony for this class and a show. A show about Don Quixote's dream. Vous avez été émerveillé, j'imagine, par la luminosité sous cette grande verrière. Comme je me suis permis de vous le conter, cette verrière a d'abord accueilli l'exposition universelle. Elle a accueilli de très, très, très nombreuses manifestations, dont
le Paris Air Show, autrement dit l'exposition internationale de la locomotion aérienne, c'est comme ça que ça se l'appelait, ce qui est devenu après le salon de l'aéronautique, puis le salon de l'aéronautique et de l'espace, ben oui, ce qu'on appelle aujourd'hui le Paris Air Show, qui a lieu tous les deux ans, et ce sera au Bourget à nouveau dans quelques semaines, l'un des plus grands rendez-vous du monde pour l'aéronautique. Oui, ce palais a accueilli très nombreuses manifestations ouvertes à l'art et à l'industrie sous toutes ses formes. Mais il a aussi toujours accueilli les chevaux, pratiquement sans discontinuité, de 1901 jusqu'à 1957, pour un concours organisé entre autres par la Société hippique française, la société mère de toutes les sociétés en charge des jeunes chevaux en France, donc jusqu'en 1957. Et puis une très longue interruption jusqu'à ce que la maison Hermès, qui n'a jamais oublié que son premier client était le cheval, ait à cœur de faire revenir les chevaux à leur place, ici, au cœur de Paris, sous cette grande verrière. I tried to recall to you that this beautiful Crystal Palace was erected end of the 19th century. It was inaugurated in April 1900 for the Universal Exhibition. It has welcomed a lot of exhibitions, all the forms of art, of industry have been displayed in this Crystal Palace, but right from the beginning, right from 1901, there has been all shows organized in here. They were driving shows, but they were very soon also jumping shows. And this lasted till 1957. But Hermès wanted the horses to be back here in the heart of Paris. And this is how we are here for the eighth year, the eighth edition of So Hermès. Thank you.
Mesdames, Messieurs, nous allons procéder à la remise des prix. Nous vous demandons de bien vouloir accueillir les officiels remettant les prix. Monsieur Henri-Louis Bauer, président du conseil de gérance Émile Hermès, accompagné de Anne-Sara Panhard, directeur général d'Hermès France. Ladies and gentlemen, please welcome our officials for the Prix Hermès Tellier prize-giving ceremony. Henri-Louis Bauer, the president of the conseil de gérance Émile Hermès, and Anne-Sara Panhard, the managing director of Hermès France. Et c'est à vous que revient le privilège maintenant d'accueillir les 5 meilleures prestations. Voici les vainqueurs, Hermès Tellier. Et voici donc devant vous les 5 meilleures prestations. Aujourd'hui, nous fêtons donc la Saint-Patrick. Et il se trouve que notre Patrice national a été le meilleur devant vous. Mesdames, Messieurs, victoire française, Patrice de l'amour! Ai-je besoin de vous demander, Mesdames, Messieurs, si vous êtes assis? Je crois que nombre d'entre vous l'ont déjà fait pour saluer cette belle victoire qu'en l'honneur de Patrice Delabeau retentisse l'hymne au vainqueur, la Marseillaise. Patrice Delabeau. Congratulations, Francis Patrice Delabeau, the best this evening in this Prix Hermès Tellier. Monsieur Henri-Louis Bauer, président du conseil de gérance Émile Hermès, accompagnant donc Anne-Sara Panhard, directeur général d'Hermès France, pour aller remettre donc le trophée. Et ces 3 trophées donc sont des têtes de cheval Hermès en palissandre avec 3 socles en cuir. Patrice Delabeau just been congratulated by our officials, Henri Louvert, the president of the Conseil de Gérance, Émile Hermès, and Anne-Sara Panhard, the managing director of Hermès France. À la deuxième place, champion olympique en titre, Roger Ibos, Pégase Murier. After 4 French champions tonight, Olympic champion Bosti, Roger Ibos is second with Pégase Murier. Avec Pégase Murier. Aussi donc Roger Bost, lui aussi récompensé pour sa belle deuxième meilleure performance. La troisième marche de ce podium, Hermès Tellier nous permettra de saluer la Suisse, Pius Schwitzer. And third position for Leader de la Ferme, under the saddle of Switzerland's Pius Schwitzer. Et Léonard de la Ferme, cheval laquelle, avec lequel d'ailleurs il gagnait l'épreuve d'ouverture l'année dernière. Troisième meilleur donc couple de ce premier grand rendez-vous du Saut Hermès 2017. La quatrième place nous permet de vous entendre applaudir Jérôme Guéry pour la Belgique avec Papillon Z. And congratulations also to Belgium's Jérôme Guéry, who is fourth this evening with Papillon Z.
Et la cinquième place, il y a donc deux champions olympiques dans ce quintet de champions. Philippe Rosier, rêveur de Kerguelen, cinquième. And another Olympic champion in fifth position tonight, Philippe Rosier for France and the rêveur de Kerguelen. Merci à chacun de ces cavaliers d'avoir la gentillesse maintenant de se retourner afin de saluer l'ensemble du public du Grand Palais. Et cette victoire, c'est vous qui allez pouvoir continuer à la célébrer avec tous ces champions à l'occasion du Tour d'honneur. Voici le couple vainqueur, Carimo, Patrice Delahaut. Switzerland, Pierre Schutter. Jérôme Guéry pour la Belgique. And Philippe Rosier pour France. Et c'est bien lui, le vainqueur ce soir, imprimant donc déjà son nom ici au Grand Palais. Vous allez la voir, le public du Grand Palais pour Patrice et Philippe.